la Terre peut être comparée à un gigantesque aimant. Elle engendre un champ magnétique, appelé magnétosphère, qui s'étend jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Les dangereuses particules émises par le Soleil la déforment, mais elles sont rejetées dans l'espace. Les plus énergétiques arrivent tout de même à traverser les lignes de champ les plus éloignées de la Terre. Elles sont alors piégées par les lignes les plus proches, qui affectent une forme de ceinture décrite par le physicien américain Van Allen en 1958. Elles sont alors concentrées au pôle magnétique et peuvent donner naissance aux aurores boréales et australes.